Richard a fait le test de corona. Le programme Ariakov a permis la réalisation d'enquêtes de séroprévalence afin de produire des données sur la diffusion réelle de l'épidémie de Covid-19 en Afrique. Ça va pas faire mal du tout, parce que... Non, je connais, ça pique sur les gens. Dans un contexte où le diagnostic moléculaire du SARS-CoV-2 était insuffisamment répandu et où les formes asymptomatiques pouvaient être plus fréquentes qu'en Europe, seules de telles enquêtes sérologiques permettent de connaître le niveau d'immunisation de la population en recherchant la présence d'anticorps dirigés contre le virus. De telles données sont capitales pour orienter des décisions de santé publique en riposte à l'épidémie, telles qu'une politique de vaccination. À Yaoundé, au Cameroun, les équipes du laboratoire du CREMER et de la Dros Mine Santé, appuyées par le site ANRS, Bar Mie du Cameroun, ont mené entre 2021 et 2022 trois vagues d'enquêtes dans les ménages auprès d'une population cible de 1500 participants et participantes. Le protocole d'enquête, adapté du protocole générique de l'OMS, consiste en un tirage au sort des quartiers, puis des ménages, afin de représenter la population de Yaoundé. Est-ce que vous respectez la distanciation en public ou jamais? Les équipes d'enquêteurs se sont rendues auprès des habitants sélectionnés et avec leur consentement, leur ont administré un questionnaire et ont prélevé un très faible volume de leur sang. Le prélèvement de sang est analysé avec un test de diagnostic sérologique développé par l'IRD. Plus fiable que la plupart des tests commerciaux, il détecte la présence des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2. Le questionnaire permet de recueillir des informations sur le ménage et sur les individus qui le composent pour mieux comprendre comment la maladie est diffusée selon certains critères tels que l'âge et le sexe. Les données recueillies sont bien sûr anonymisées, de sorte à garder la confidentialité sur l'origine du prélèvement. Les enquêteurs sont confrontés à des réactions très diverses de la part des populations. Leur adhésion à l'étude n'est pas un acquis et le long travail préparatoire des enquêtes nécessite d'ailleurs l'implication et la formation de mobilisateurs communautaires pour sensibiliser les habitants à l'importance d'une telle étude. Suite aux analyses en laboratoire et en épidémiologie, les résultats des études Ariakov ont révélé que dès la première vague de Covid-19, la séroprévalence à SARS-CoV-2 en population générale approchait 20% dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette proportion a augmenté entre 40 et plus de 50% après la deuxième vague. Tout récemment, les enquêtes menées au Cameroun et en République de Guinée montre qu'il y a eu une diffusion encore plus massive du virus SARS-CoV-2 avec une séroprévalence qui dépasse 70% dans la population après la vague Omicron.